Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de notre émission Bookchef. Les légumes, c'est bon, les légumes, c'est la vie. Et pourtant, en faire manger à votre entourage est devenu un véritable calvaire. Aujourd'hui, nous avons la solution à ce problème. Nous allons vous présenter trois recettes alliant légumes et gourmandise en compagnie de l'éminent professeur Chouraquette. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci Jenny de m'avoir invité. J'aperçois déjà ce magnifique gâteau à la betterave qui m'a l'air succulent. Et le saviez-vous, la betterave est la cousine germaine de la blette. On l'associe à l'animalité, au sang, à une sexualité vigoureuse. D'accord, merci pour ces informations professeur. J'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur les recettes aux associations improbables, telles que des muffins avocat chocolat. Excellent. L'avocat est un légume extraordinaire, ah oui, totalement extraordinaire. Figurez-vous que les premières pousses d'avocatiers ont été retrouvées au cours de fouilles dans la forêt tropicale du Mexique. Elles datent de 8000 ans avant notre ère. Rendez-vous compte, 8000 ans. D'accord, professeur, nous avons compris, vous êtes une véritable encyclopédie potagère. Mais nous sommes ici pour parler des recettes et de comment confectionner des gâteaux tels que ce délicieux fondant chocolat courgette. Oh, mon légume favori. Et pourtant, la culture de la courgette en France est assez récente. Bon, malheureusement, je crois que nous allons devoir rendre l'antenne pour aujourd'hui. Je vous conseille donc de lire par vous-même et en meilleure compagnie ce livre, Gâteau aux légumes, aux associations donc de légumes improbables et qui devrait ravir les plus petits et les grands. À bientôt pour un nouvel épisode de Bookchef. Mais c'est déjà fini, mais quel dommage. Attendez, car le saviez-vous, la courgette est originaire du Mexique et elle ne pousse sous nos latitudes que depuis le 19e siècle. Un allié minceur pour un apport calorique minimal et une concentration de vitamines et de nutriments maximale.